Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Ce soir, à nouveau, c'est Gilles Weber avec vous. Et j'espère que vous avez eu l'occasion d'inviter quelques personnes avec vous pour qu'elles puissent également participer à ce webinaire. Je vous présente à nouveau ce soir, eh bien, la société Solar Group. La société Solar Group est une société internationale. C'est une société financière de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif. Alors, nous allons parcourir un petit peu ensemble, eh bien, cette soirée de présentation de cette société. Et vous expliquer en quoi consiste cette société, ce qu'elle fait, ce que elle a l'occasion de vous proposer, quels sont les avantages de travailler avec cette société. Solar Group est donc une société financière internationale de nouvelle génération qui rassemble trois types de personnes. Elle rassemble des investisseurs, des partenaires, mais aussi des projets innovants. Donc, il y a trois composantes là-dedans. Et grâce au crowd investing ou financement participatif, eh bien, qui est un mécanisme d'investissement collectif, eh bien, on a un vaste réseau également de partenaires qui participent à cette société et des projets qui sont technologiques et commerciaux qui permettent dans le monde entier, eh bien, d'apporter un peu d'écologie. Nous aidons à relever les défis de la modernité en offrant à chaque personne la possibilité de contribuer à la prévention de la planète, de devenir copropriétaire donc de différentes entreprises. En l'occurrence, en ce moment, c'est qu'une seule entreprise que nous représentons. Et ceci au stade de capital risque. Donc, c'est-à-dire que c'est très souvent une période avant un lancement officiel et en grande pompe d'une société qui pourrait aller jusqu'à être en bourse. Donc, la société Solar Group soutient des entreprises pour se lancer. Ça s'appelle en général au début une start-up. Et ensuite, eh bien, ça vous permet de bénéficier de revenus passifs à partir des bénéfices futurs de cette entreprise dans laquelle on vous demande d'investir à travers Solar Group des activités de partenariat donc dans le présent. On va essayer de parcourir un petit peu les différentes images que je vous propose et nous allons voir tout de suite, eh bien, que dans ce domaine, nous avons bien sûr des possibilités d'avancer, voilà, d'avancer tout simplement sur le slide suivant. Et dans ce cadre, eh bien, je vais vous parler un petit peu de la planète, bien sûr, et de son écologie. La mission de Solar Group, en tout cas. La société Solar Group contribue à la préservation de l'environnement et c'est vraiment quelque chose d'important. L'écologie est au centre des intérêts de la société et en proposant et en mettant en œuvre un projet innovant, prometteur, ambitieux, révolutionnaire, capable de changer complètement le marché de l'énergie et des transports et de s'éloigner des moteurs à essence et de passer eh bien, aux moteurs électriques, c'est actuellement ce que propose la société Solar Group, le projet que nous soutenons. Nous croyons que nous pouvons changer le monde et notre mission est donc de préserver la planète en soutenant les technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous les participants du projet. C'est en tout cas le but recherché de cette société Solar Group. Alors, à l'échelle de l'entreprise, il faut regarder un petit peu les chiffres. Toute organisation est mieux caractérisée par des résultats. Et aujourd'hui, le projet dont le financement est organisé par la société Solar Group compte plus de 350 000 personnes. Là, sur mon slide, c'était marqué 320 000, mais ça augmente tous les jours. Donc, forcément, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent sur la plateforme Solar Group et ceci dans à peu près 194 à 200 pays. C'est là que sont l'ensemble des gens qui viennent rejoindre la société Solar Group. Il y a plus de 15 000 partenaires répartis donc, dans ces différents pays et nous avons actuellement plus de 40 000 investisseurs.
Donc, vous voyez que ce sont également des progressions très intéressantes que vous voyez là sur ce slide. Notamment, on voit le nombre de pays en 2017 et en 2021. Donc, je vous donnais quelques chiffres de 2021. C'est vrai que nous sommes déjà en 2022. Mais le temps passe vite et bien sûr, ces chiffres ne font qu'augmenter. C'est pour ça que vous voyez des chiffres en 2021 de 320 000 personnes, mais nous sommes à présent près de 350 000 personnes en 2022, parce que, bien évidemment, tout ça, eh bien, ça progresse au fur et à mesure. D'ailleurs, à propos de progression, eh bien, je voudrais vous montrer sur le slide suivant, justement, la rétrospective du développement de la société. Évaluons un petit peu la dynamique de développement de la société Solar Group. Elle a commencé ses activités en 2017 et nous avions quelques 20 000 clients à la fin de l'année 2017, 280 000 à la fin de l'année 2020. La différence est plus de 10 fois seulement en 3 ans de travail, ce qui représente beaucoup de gens qui ont rejoint cette plateforme. Et en 2018, eh bien, nous avons augmenté de 4 fois le nombre de clients. En 2019, le nombre de clients a été multiplié par 2. Et donc en 2020, et encore par 2, eh bien, cela nous amène aujourd'hui à avoir donc plus de 350 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. En termes de nombre de partenaires, eh bien, nous avons également augmenté de plus de 10 fois depuis 2017. Et en termes de nombre de pays, eh bien, ça a été multiplié par 3. Donc, c'est un taux de croissance incroyable. Selon ces données, eh bien, vous pouvez comprendre à quelle vitesse la société se développe, combien de nouveaux investisseurs et de partenaires viennent à nous rejoindre chaque jour. Aujourd'hui, Solar Group travaille dans tous les pays du monde. Nous pouvons donc dire que, en toute sécurité, que le projet est international et que différentes personnes y participent avec des mentalités différentes, des pays différents. Mais en même temps, eh bien, nous partageons tous un objectif commun. Qui est une idée qui vaut la peine d'être promotionnée, qui permet eh bien, d'avoir une attention particulière sur le développement de la technologie et de l'écologie. C'est en tout cas le credo, vous le savez maintenant, de la société. Soit bien que certains eh bien, s'en fichent un petit peu de l'écologie, en quelque sorte, mais aimeraient plus gagner de l'argent qu'autre chose. Mais ce sont deux aspects qui sont fondamentalement ancrés dans Solar Group et qui nous permettent aujourd'hui eh bien, de vous proposer quelque chose de très intéressant. À présent, jetons un coup d'œil dans la société qui sont les dirigeants. Vous avez donc ici, sur ce slide en haut à gauche, eh bien, le PDG, CEO, qui est donc Sergueï Semyonov. Mais vous avez également Pavel Filipov, qui est directeur marketing. Là, il est écrit qu'il est marqué responsable du département de la communication, c'est directeur marketing. Il est porte-parole également de la société, dans la mesure où il prêche la bonne parole pour vous l'apporter. Non, mais c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, répond à beaucoup de questions qui sont posées, notamment sur le développement du projet en lui-même. Ensuite, bien sûr, à la droite, nous avons Pavel Chatzky, qui est en fait un petit peu mon chef, parce que je vous rappellerai que je suis partenaire national de 7 pays, dont 6 en Afrique, où je me trouve donc cependant actuellement. Nous sommes actuellement au Sénégal avec mon assistante Barbara, et nous organisons des conférences à travers les différents pays et des présentations des projets que soutient Solar Group. Et Pavel Chatzky est donc mon chef, il est directeur commercial. Nous avons également Alissa Koutentskova, qui est responsable du réseau de partenariat. Alors, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'elle est là. Et c'est elle qui organise notamment les fameuses promotions que vous voyez actuellement, qui sont disponibles dans le back-office de Solar Group. Donc, nous saluons au passage Alissa, qui fait beaucoup de bon travail pour que vous puissiez gagner encore un peu plus de cadeaux, d'argent, etc. avec Solar Group. Vous avez également Eugène qui est là, Eugène Lavrinov. Donc Eugène, lui, il s'occupe beaucoup plus du service client. C'est-à-dire que c'est un peu le chef du support, du service client, de tout ce qui se passe, toutes les relations que vous pouvez avoir avec la compagnie. Nous avons également un autre personnage clé qui, lui, est Vitaly. Et Vitaly,
lui, s'occupe de tout ce qui est informatique. C'est le directeur informatique et c'est lui qui a rebaptisé le back-office. C'est lui qui a changé ce back-office que vous avez peut-être encore un petit peu de mal à vous approprier, mais cela va venir au fur et à mesure. Donc, c'est grâce à lui que nous avons eu la chance de pouvoir changer de mot de passe récemment. Vous allez pouvoir le remercier en personne. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. À présent que je vous ai présenté un peu les dirigeants, eh bien, nous allons jeter un petit coup d'œil sur la philosophie de l'entreprise. La société Solar Group rassemble donc, je vous l'ai dit, trois composantes, les investisseurs, des projets et des partenaires. Donc, chacun de ces groupes a ses propres objectifs et pour chacun d'eux, Solar Group offre des opportunités, des avantages, et ceci dans le cadre de la coopération mutuelle, donc bénéfique pour chacun. Maintenant, penchons-nous individuellement sur chacun de ces groupes. Pour les investisseurs, ben, c'est l'une des idées clés de Solar Group, c'est de rendre l'investissement accessible à tous. Vous savez bien que si on appelle ça financement participatif populaire, c'est effectivement parce que eh bien, tout le monde peut y accéder. Nous permettons donc à chaque personne et partout dans le monde eh bien, de soutenir l'innovation, de devenir copropriétaire d'une entreprise et d'en tirer profit à l'avenir. Le faible montant des investissements, qui est un investissement minimum à partir de, je vous rappellerai, 50 dollars, ce qui représente environ 35 000 francs CFA dans les pays francophones de l'Ouest africain et également central, parce que nous sommes également au Cameroun. Là-bas aussi, il y a du franc CFA, ce n'est pas tout à fait le même, mais il y ressemble beaucoup. Eh bien, le minimum, c'est donc d'environ 35 000 francs CFA en fonction du cours du dollar. Vous avez également une protection juridique des fonds investis ainsi que le potentiel de rendement qui est élevé et qui rend donc la coopération avec Solar Group extrêmement attrayante, même pour un investisseur débutant lambda qui n'y connaît pas grand-chose et qui voudrait placer un petit peu ses économies ou son argent qu'il peut gagner grâce à Solar Group. Mais ça, on va y venir un petit peu plus tard. Maintenant que je vous ai parlé un peu du principe des investisseurs, passons à celui pour les projets. La société Solar Group, eh bien, possède une vaste expérience dans le domaine avec une équipe qui est capable d'organiser, eh bien, un financement de projets qui soient commerciaux, prometteurs, un crowdfunding, un investissement participatif pour créer une société ou une start-up ou faire démarrer une société qui en a besoin. L'atout le plus important de Solar Group, c'est une grande base de clients que je vous ai indiqué de quelques 350 000 personnes et qui sont prêtes à investir dans de nouveaux projets et les promouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si nous n'avons qu'un seul projet, eh bien, à l'avenir, la société Solar Group aura d'autres projets qu'elle va proposer. Et vous aurez donc, c'est pour ça qu'on parle de différents projets et de possibilités d'avoir des sociétés qui viennent rejoindre Solar Group pour être promotionnés. Mais bien sûr, ils sont triés sur le volet, on va en reparler dans un instant. Les responsabilités de Solar Group, eh bien, comprennent le soutien marketing, au financement participatif, l'organisation du système d'investissement sous forme d'une plateforme d'investissement et d'un back-office, donc comme on appelle ça, et la fonctionnalité de réception du paiement, ainsi que la préparation de bases juridiques pour que eh bien, ce projet soit viable et que les personnes qui investissent puissent avoir la confiance nécessaire dans un tel projet. Voilà donc pour ce qui concerne les gens qui proposent des projets dans les différents domaines que propose donc Solar. C'est-à-dire que c'est une société qui pourrait proposer son projet à la société Solar Group pour le faire connaître. Maintenant, nous allons parler un petit peu des partenaires parce que c'est un peu vous et moi, hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un peu tout le monde qui participe et qui a signé le contrat de partenariat. Eh bien, ce sont les partenaires qui sont les personnes qui ont une position de vie active dans la société et qui veulent faire des affaires utiles, faire partie d'une grande communauté et gagner bien sûr de l'argent en faisant la promotion du projet innovant financé par Solar Group et en recevant en récompense eh bien, des commissions monétaires décentes pour le résultat de leur travail. Sachez que vous pouvez gagner aussi beaucoup d'argent actuellement grâce aux différentes promotions qui sont proposées par Solar Group. Durant ce début du mois d'avril, vous avez des promotions qui sont apparues et
qui vous permettent de gagner eh bien, en fonction des statuts que vous allez obtenir. Donc, être un investisseur, c'est peut-être aussi être partenaire, c'est-à-dire qu'il faut différencier les gens qui veulent faire que de l'investissement et les gens qui veulent devenir partenaires. Donc, ce sont deux choses différentes. Vous avez le client qui achète des parts dans la société que nous proposons et cette personne, eh bien, va à ce moment-là n'être que client. Par contre, vous pouvez également signer un contrat de partenariat et devenir partenaire et promotionner le projet en lui-même vis-à-vis de Solar Group. Bien que historiquement, la plupart des partenaires soient principalement des investisseurs, eh bien, il est important de préciser que les partenaires sont des personnages clés dans le fonctionnement de la société Solar Group aujourd'hui. Jetons un coup d'œil justement sur l'avenir de tout cela. Eh bien, le produit de Solar Group, c'est quoi ? Eh bien, le produit pour nos clients, c'est une part dans la future entreprise de développement de moteurs électriques asynchrones qui utilise la technologie de type Slavyanka. Et ce sont des bobinages combinés qui sont proposés par M. Duyunov, qui est un ingénieur russe. Aujourd'hui, le projet principal est unique, il n'y en a qu'un seul, chez Solar Group. C'est le projet donc, des moteurs Duyunov. Et si nous parlons de notre projet actuel, comme je vous le dis actuellement, ce n'est pas seulement une part dans une entreprise ordinaire, mais c'est aussi une part dans une entreprise capable de révolutionner l'industrie du moteur électrique et de changer la vie des gens sur la planète par l'écologie que cela peut apporter en assurant le bien-être de chaque participant. Donc, il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté écologique et d'apporter quelque chose eh bien, aux différentes parties qui vont prendre en considération ce type de moteur. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons essayer de voir ce qu'il en est à propos de cette construction dont on vous parle très souvent en ce moment, eh bien, par le biais de différentes vidéos. C'est un bureau de technologie, d'études et d'ingénierie qui s'appelle Sovelmash. La société s'appelle donc Sovelmash. Et le but du projet des moteurs du Unov, c'est la construction justement de ce bâtiment, qui elle s'appelle donc également un BTEI, hein, dont je vous rappellerai, Bureau technologique d'études et d'ingénierie, qui gagnera en développement de moteurs électriques qui, selon la technologie des bobinages combinés Slavyanka, eh bien, va proposer diverses applications selon les besoins des clients. Si un client vient voir M. Duyunov et a besoin de développer un moteur parce qu'il a un nouveau tricycle qu'il veut absolument équiper d'un moteur le plus efficace au monde, eh bien, M. Duyunov va pouvoir réaliser ce moteur et pouvoir faire que la personne puisse repartir avec un moteur dont il va apprendre à le fabriquer dans sa propre usine. Hein, je parle de celui qui fabrique le tricycle. Et donc, la SARL Sovelmash va pouvoir réaliser ce moteur. La société qui est aujourd'hui une SARL, la société Sovelmash, eh bien, est également résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Sovelmash donc été créée dans le but de générer des bénéfices grâce à la commercialisation d'une technologie innovante, celle des bobinages combinés, et apportera de l'argent à ces personnes qui auront investi pour elle. Sachez que le fait d'avoir un terrain dans une zone économique spéciale, c'est aussi, il faut le préciser, le fait d'être dans une zone franche. Une zone franche est un soutien de l'État, un soutien de l'État russe, notamment pour ce qui concerne Sovelmash. Les tâches qui sont résolues par la société Sovelmash, ce que la société apporte, donc, bien, c'est le développement et la mise en production, la mise en circulation dans tous les domaines d'activité qui existent. Pour ceux qui ont déjà suivi, eh bien, les présentations de cette technologie, eh bien, et de ce programme, vous savez que cela touche tous les domaines où il y a des moteurs électriques. Eh bien, cela va donc apporter un plus dans les machines électriques. Aujourd'hui, M. Duyunov nous parlait il y a quelques jours d'aspirateurs, de machines à laver, de moulins à café, etc. Oui, c'est tous les domaines qui sont effectivement intéressés par ces moteurs électriques.
Donc, toutes les machines tournantes, quand on se rend compte qu'il y en a vraiment énormément, il y en a 82,5 milliards de ces moteurs sur Terre, ça représente vraiment beaucoup. Voici l'emplacement de la future entreprise qui est donc dans la zone économique spéciale, sur le territoire de la zone économique spéciale ZES Technopolis Moscou, très précisément le site Alakhmoutchevo, pour ceux qui cherchent. Parcelle numéro 16, hein, on est précis, on va donner en plus des chiffres, n'est pas choisi par hasard et lui donne un certain nombre de préférences, d'avantages, y compris la réduction des impôts, par exemple. 2% d'impôts sur le revenu, c'est quand même nettement moins que ce que les autres entreprises pourraient payer qui sont dans d'autres secteurs qui ne sont pas soutenus spécifiquement par l'État. D'autres avantages sont également à retenir pour ce qui concerne cette zone économique spéciale. 0% de taxes foncières, également 0% de taxes de transport, 2% sur la location du terrain et 1% de la valeur cadastrale du site. C'est-à-dire que si la société envisage prochainement, dans les prochaines années, d'entrer en bourse, elle va devoir racheter le terrain à 1% de sa valeur cadastrale. Alors que d'autres vont peut-être devoir dépenser des millions, sachant qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi dans le bâtiment lui-même. Alors autant encore en profiter d'être dans une zone économique spéciale et de pouvoir bénéficier de tous les avantages que je viens de vous citer. Et cela au bénéfice, bien sûr, des investisseurs. Parce que plus nous-mêmes, nous sommes en tant qu'investisseurs gagnants et plus la société fait des économies, plus il y aura de bénéfices. Et plus il y a de bénéfices, et plus il y aura de retours sur investissement pour ceux qui ont bien sûr décidé d'investir dans cette fameuse société Sovelrich. Voyons un petit coup d'œil, jetons un coup d'œil sur l'histoire des moteurs, parce que bien évidemment, il faut aussi se rendre compte que les moteurs électriques, eh bien, sont là et qu'ils existent bien. Et que ces moteurs électriques, eh bien, on va essayer d'en parler un petit peu, parce que la société Sovelmash, eh bien, je vous rappellerai brièvement, est quand même introduit dans les moteurs électriques. Alors, parlons un peu plus en détail de ce projet actuel des moteurs de Hunov. Eh bien, quel est donc ce projet? Quels sont les résultats qui ont été déjà obtenus? C'est un projet international déjà qui vise à développer et à introduire sur le marché mondial une technologie de bobinage dit combiné qui rassemble donc deux types de bobinage, les bobinages de type étoile et les bobinages de type triangle. C'est des bobinages qui existent à l'intérieur des moteurs. Mais dans les moteurs électriques, vous voyez là à l'image, qui sont donc des moteurs électriques fabriqués par Monsieur Duhnoff, parce qu'on reconnaît les couleurs, c'est orange et gris, c'est spécifique. Eh bien, et puis vous voyez d'ailleurs sur les moteurs, il y a des plaques où il y a marqué Sovelmash, c'est écrit en russe, mais c'est quand même assez visible. Eh bien, donc ce projet international, eh bien, de ces bobinages, qui est créé par l'ingénieur et développeur Dmitri Alexandrovitch Douyunov, eh bien, va avoir l'occasion de parcourir le monde et d'être un produit très intéressant. La technologie permet à la société Sovelmash, eh bien, de développer des moteurs électriques de nouvelle génération qui sont utilisés dans le transport, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la vie quotidienne et de nombreux autres domaines. Rappelons que même si vous allez chez le boulanger, il fabrique son pain avec un pétrin, que vous allez dans un aéroport, votre valise circule sur un tapis roulant qui lui est mis en mouvement par un moteur électrique, ou si vous prenez un ascenseur ou un escalator ou toute autre machine qui peut tourner, un ventilateur, un brasseur, un climatiseur, tout ça tourne avec des moteurs électriques. L'omniprésence de ces moteurs, avec la Nonka à l'avenir, eh bien, peut résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'efficacité énergétique, en fait, de l'épuisement des ressources de la planète et la pollution de l'environnement. Si on regarde un petit peu les caractéristiques de ces moteurs, ils peuvent améliorer la qualité de millions de personnes. C'est en tout cas aussi un des objectifs principaux de la société Sovelmash qui crée ces fameux moteurs. Lorsque l'équipe de Solar Group a rencontré en 2017 Monsieur Douyunov, eh bien, et ses collègues, parce qu'il n'est pas tout seul, il a des collègues ingénieurs, il a même son fils qui travaille avec lui, qui s'appelle Eugène Douyunov, eh bien,
Elle a immédiatement été attirée, je parle de Solar Group, a été attirée par cette société de Monsieur Duhinoff. Pourquoi? Mais parce que elle a considéré qu'elle avait une grande équipe d'expérience qui fait du bon travail ensemble. Duhinoff a passé d'ailleurs de nombreuses épreuves avec Solar Group. Au cours des 20 dernières années, ils ont développé plein de bonnes choses et il est important de souligner que Solar Group a mis un œil là-dessus et a regardé que effectivement tout ça soit bien mis en œuvre et que ce soit basé sur une technologie qui a commencé il y a très longtemps déjà et qu'en fait c'est pas quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, c'est pas juste un petit truc qui vient d'apparaître. Parfois, comme je dis, ce n'est pas un monsieur Duhinoff qui a créé des moteurs dans son petit garage et qui maintenant essaye de les vendre. Il a déjà une certaine expérience dans le domaine, ce qui est quand même relativement important. Vous savez, l'Union soviétique, à l'époque, avait cessé d'exister pour de nombreux inventeurs. Leurs développements sont allés soit à l'étranger, soit sont tombés aux oubliettes, vendus par leurs développeurs. Mais Duhinoff, lui, est resté donc en Russie, n'a rien abandonné et a continué à travailler, à développer sa technologie. Et beaucoup regardent aujourd'hui Duhinoff avec l'intention de le suivre parce qu'il propose quelque chose qui tient la route. Et ça, c'est aussi un aspect très important dans ce domaine-là. À présent, nous allons parler, comme je vous l'ai dit à l'instant, et on parle beaucoup d'écologie et donc de pollution d'environnement. Voyons un petit peu en quoi ces moteurs peuvent changer la planète et apporter quelque chose. Vous savez que le problème environnemental, c'est la protection de la planète et qui passe aussi par un problème de production d'électricité qui est l'un des facteurs les plus néfastes qui affectent l'environnement. Donc, si on pouvait réduire la production d'électricité, eh bien, on pourrait avoir une meilleure vie. L'homme a interagi et influencé son environnement depuis son apparition sur la planète. Cependant, cette influence n'a atteint son échelle vraiment tangible qu'au 8e siècle, avec le début de la révolution industrielle. À ce moment-là, eh bien, l'homme est sorti du cycle naturel de l'utilisation de la nature et du règne animal et végétal, et il a commencé à dicter ses propres lois à la planète. Ce qui fait que bah, la planète a commencé à changer. Mais nous l'avons remarqué que très récemment. C'est-à-dire que notre civilisation était occupée par d'autres choses. Et l'extraction, par exemple, de carburant, de charbon, de gaz de schiste, de pétrole, de métal et d'autres minéraux, eh bien, toutes ces substances saisies par l'homme dans la nature, eh bien, sont donc revenues dans la nature, mais sous une autre forme que l'on appelle la pollution. Et la pollution globale des sols, de l'eau, de l'air, eh bien, s'est traduite par une crise écologique. Et même si ça ne vous paraît pas, si ça ne vous parle pas pour certains, eh bien, sachez que le problème, c'est l'intensité de ce processus qui, eh bien, constitue aujourd'hui un vrai inconvénient pour la planète et pour le rythme des catastrophes qui peuvent arriver. Notamment, on voit déjà le dérèglement du climat qui passe par le réchauffement donc de la couche et de l'atmosphère. Et tout ça, c'est dû à la couche d'ozone avec des trous dedans, dû aux différentes pollutions qu'il peut y avoir. Le projet des moteurs du Duhinoff permettra à l'échelle mondiale, hein, bien sûr, si c'est développé à très grande échelle, eh bien, que la situation puisse s'amenuiser, que l'on puisse réduire les ressources naturelles de la planète et la pollution atmosphérique, comme dans le cadre d'un projet d'un centre d'ingénierie de Sauvelmash. C'est le but qui sera créé. Et les moteurs qui sont énergétiquement beaucoup plus faibles, qui consomment moins avec des bobinages combinés, eh bien, seront développés pour différentes applications pour essayer de tendre à améliorer cette pollution qu'il peut y avoir sur la planète. Bien sûr, ce n'est pas gagné, mais
ce n'est pas la seule raison qui fera qu'on pourra diminuer la pollution sur la planète, mais si personne ne fait rien, il n'y aura rien qui se passera. Et si on ne commence pas par un bout, il n'y aura absolument rien qui va se passer. Donc c'est important aujourd'hui de mettre l'accent là-dessus, même si j'en parle depuis plusieurs fois déjà dans mes différentes slides et tout ce que je vous propose et montre, eh bien c'est quand même un aspect extrêmement important. Sachez que lorsque moi-même j'ai été en Russie et que nous avons eu des conférences en 2019, la première des choses importantes dont parlaient tous les autres pays, sauf moi qui avais parlé d'argent, c'était de parler d'écologie. Même les Indiens sont extrêmement sensibles à l'écologie, parce que vous savez peut-être qu'à New Delhi, chez eux, ils ont ce qu'on appelle le smog. Hein, vous pouvez chercher sur Google ou sur Wikipédia ou dans le dictionnaire, smog, c'est la fameuse fumée de pollution qui ne disparaît pas au-dessus de New Delhi. Et on cherche des solutions. Les solutions sont de remplacer tous les véhicules à essence, à carburant ou à diesel, au diesel, eh bien, par des moteurs électriques. C'est d'ailleurs une loi qui a été promulguée en Inde d'ici 2025-2030. Il faut que tous les véhicules soient changés. Vous voyez donc qu'il y a vraiment de l'espoir, il y a vraiment du potentiel devant nous pour travailler avec des moteurs. On va passer un petit peu justement sur les caractéristiques de la fameuse technologie. Eh bien, les moteurs avec la technologie de bobinage combiné, Slavyanka, je vous rappelle, ça s'appelle, sont des moteurs électriques de nouvelle génération et présentent de nombreux avantages, notamment par rapport aux moteurs électriques des concurrents. Vous avez une économie d'énergie, les moteurs électriques consomment jusqu'à 40% de moins d'énergie. Imaginez que vous avez chez vous ne serait-ce que 40% de moins à payer sur la facture d'électricité, c'est quand même relativement intéressant. Et si, en plus de ça, vous avez une usine qui tourne avec des centaines de moteurs, c'est encore beaucoup plus intéressant. Vous avez également une réduction du prix de revient du moteur qui est de 30%. La production d'un moteur électrique à bobinage combiné, eh bien, nécessite 30% de moins de cuivre et d'acier électrique, ce qui fait qu'effectivement, on réduit le coût de fabrication par rapport notamment à un moteur chinois qui est appelé moteur PLDC, qui est fabriqué avec des aimants permanents. Eh bien là, les fils de cuivre sont nettement moins chers que cette conception de moteur que proposent les Chinois à travers la planète à plus de 52% de leurs clients à travers le monde. Ensuite, on va essayer de voir aussi qu'on peut améliorer la fiabilité de ces produits. La fiabilité, notamment, c'est la durée de vie du produit. Les moteurs donc électriques que propose Monsieur Tuyunov sont beaucoup plus résistants. Ils sont moins sensibles à griller. La fiabilité du moteur, eh bien, on peut le dire, certains moteurs que Monsieur Duhunoff a utilisés ont jusqu'à plus de 20 ans d'existence sans avoir été révisés, retouchés ou réparés. Il y a donc d'autres avantages, bien sûr, que celui que je vous présente là, mais on ne va pas non plus s'étaler trop sur tous ces moteurs. Je voudrais vous parler sur toute la société Solar Group qui développe plein de bonnes choses et pour laquelle, eh bien, on vous invite à participer à ce projet. Vous voyez qu'il y a non seulement l'aspect argent, mais aussi l'aspect de changer le monde, l'aspect d'apporter des choses meilleures. Tout ça, c'est un petit peu dans la philosophie de l'entreprise. Je vais donc vous présenter une petite feuille de route ici concernant tout ce projet, parce que souvent on nous pose des questions. Oui, mais ça va durer combien de temps? Et comment ça se fait? Et quand est-ce qu'on va gagner de l'argent? Etc., etc. Moi, je vais vous donner une petite feuille de route. Maintenant, Solar Group est engagé dans l'organisation du financement du projet des moteurs Dune actuellement, n'est-ce pas? Eh bien, nous rencontrons un vif succès dans ce sens. Et on se concentre sur l'achèvement de ce financement et l'exécution des engagements qui ont été pris. Donc, c'est très important car l'objectif est toujours d'atteindre la dernière étape, c'est-à-dire l'étape 20 que nous proposons. Je rappellerai que c'est établi sur 20 étapes, le projet des moteurs de Yunov, et que cela, eh bien, va vous permettre à vous aussi de voir qu'actuellement, nous sommes à l'étape 17 du projet et que cela avance à grands pas. Donc, les moteurs de Hunov, c'est le premier projet que soutient Solar Group. C'est le projet phare, mais non loin d'être le dernier, hein, bien que tous les efforts soient maintenant concentrés sur celui-là.
Alors, si vous regardez l'historique de ce projet, eh bien, vous pouvez voir que bien avant son lancement, beaucoup a été fait pour le développement de la technologie, notamment en 1995. Et il se trouve que Dmitri Dehunov a conçu les premiers moteurs à bobinage combiné, donc ce n'est pas tout nouveau. En 2011, c'était le début d'une application pratique plus large des moteurs avec l'obtention de premiers brevets. Je rappellerai quand même qu'il y a 17 brevets qui ont été développés par la société ASPP, première société développée par Monsieur Dehunov. En 2017, début du projet d'investissement participatif avec Solar Group. En 2018, c'était la préparation du dossier et des documents pour le projet pour l'obtention du permis de construire du BTEI, donc en zone économique spéciale, je vous rappelle. En 2019, obtention du statut de résident de cette zone économique spéciale, c'est-à-dire un soutien total de l'État russe, dans la mesure où c'est dans une zone franche et que ce terrain a été attribué en février 2019. Je me rappelle d'ailleurs avoir été peu de temps après, quelques jours après, c'était d'ailleurs début février, et quelques jours après, moi j'ai été personnellement à Moscou où j'avais vu, on avait parlé de ce grand événement qui venait de se passer. C'était à Sotchi, lors d'un forum international, je crois, où on leur avait remis le terrain par le biais de quelques autorités qui étaient sur place et qui avaient attribué ce terrain. C'était quand même une grande récompense. Ensuite, eh bien, en dehors de cela, fin 2020, début de la construction du bâtiment, parce qu'une fois qu'on avait le terrain, il a fallu commencer le bâtiment. C'était également fin 2020, c'était plutôt un petit peu avant. On avait commencé, on avait déjà reçu un permis de construire provisoire et on avait eu l'occasion de commencer à construire le bâtiment déjà en juin, juillet, août, même en mois d'août. On a commencé à creuser, on a commencé à poser des cabanes de jardin. Bon, c'est pas des cabanes de jardin, c'est des cabanes de chantier, hein, bien sûr. Mais ça ressemble bien sûr à toutes ces grandes cabanes que l'on a. Mais nos amis Henri Bombel, et dernièrement j'ai eu l'occasion de visiter. C'est assez confortable, hein, ils ont du plein pot chauffage dedans pour chauffer les ouvriers qui veulent prendre un bon café et se réchauffer. C'est plutôt pas mal, c'est bien isolé à l'intérieur et ils ont tout ce qu'il faut dedans, ordinateur, bureau, conception. Ils ont des chefs de chantier, etc. Tout au long de l'année 2021, eh bien, la construction du centre d'ingénierie a suivi son cours et le cycle zéro, hein, les fondations, le cycle zéro des travaux, l'installation du cadre métallique aussi de l'entreprise, du bâtiment en lui-même, a été terminé. Le BTI devrait être mis en service au cours du second semestre 2022. On n'a pas de date exacte, mais on parle du mois d'octobre 2022. On avait parlé à un moment donné du mois de mai, mais en mai, tout ne se fait pas parce que, il y a eu beaucoup de neige aussi cette année en Russie. Et cela a un petit peu affecté le calendrier. Aussi Covid, et puis surtout l'augmentation des prix des matériaux, parce que les matériaux ont considérablement augmenté. Et cela a ralenti aussi un petit peu l'achat de certains matériaux et de pouvoir mettre les choses en place, notamment pour avancer dans la construction en elle-même. Je voudrais à présent vous parler de l'investissement participatif. Le crowd investing, comme on dit en anglais, où l'investissement participatif équitable est un outil financier pour attirer les investisseurs de partout dans le monde. C'est un investissement collectif, c'est-à-dire qu'en fait, on rassemble plein de gens pour une idée. Vous voyez, comme sur l'image, on rassemble les gens qui sont dans tous les pays pour soutenir une idée commune. Et les instruments financiers et les domaines d'investissement sont nombreux aujourd'hui, mais il faut savoir que l'investissement participatif, particulièrement le vent en poupe, et c'est l'un des plus prometteurs au monde, parce que on voit une évolution constante de ce genre de phénomène. On va d'ailleurs vous montrer dans un petit instant quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution du financement participatif à travers la planète. L'investissement participatif, c'est un processus dans lequel, eh bien, un grand nombre de personnes qui vont co-investir dans un projet d'entreprise vont pouvoir se réunir et chaque personne
particulière, investit autant qu'elle peut se le permettre, mais le montant total est suffisant pour que le projet d'entreprise se réalise et son idée de commercialiser eh bien, quelque chose comme par exemple les moteurs électriques. Aussi de gagner de l'argent, bien sûr, parce que le projet d'entreprise partage ensuite ses bénéfices avec ses investisseurs et c'est tout le but recherché de la part des investisseurs, c'est de pouvoir gagner quelque chose à l'avenir, d'avoir un monde meilleur, d'accord, mais aussi de pouvoir avoir un petit peu de meilleurs jours devant nous du côté financier. La société financière SolarGroup travaille donc précisément sur le marché de l'investissement participatif et fait tout cela avec succès depuis 2017. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, eh bien, la société SolarGroup se porte plutôt bien. Elle a doublé son chiffre d'affaires également en 2020, également en 2021, également une très belle progression. Et nous poursuivons malgré ce que pourraient penser certaines personnes dues à des conflits ou des problèmes géopolitiques, que la société SolarGroup ait moins d'investisseurs. C'est tout l'inverse. Sachez que quand il y a des crises, eh bien, les gens investissent plus d'argent. On a constaté effectivement ce genre de choses dans les derniers temps. D'ailleurs, il suffit de voir que l'évolution en elle-même de l'investissement participatif est assez conséquente, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure que nous allons voir quelques chiffres. Pourquoi SolarGroup travaille-t-elle dans le marché de l'investissement participatif? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses par rapport à d'autres types d'investissements qui existent sur la planète. Si nous regardons des statistiques, eh bien, nous allons nous rendre compte que, au cours des 10 dernières années, le marché mondial de l'investissement participatif a au moins doublé chaque année. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas nous forcément, SolarGroup, qui donnons ces chiffres-là. Ce sont des statistiques qui sont là. Au moment du lancement de SolarGroup en 2017, le marché mondial de l'investissement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. D'accord? Ce faisant, eh bien, il atteint 300 milliards de dollars d'ici 2025. C'est pas rien. Autrement dit, le volume du marché d'investissement participatif, au moins de 10 ans, augmentera de près de 10 fois. Aucune institution aujourd'hui et aucun système d'investissement ne se développe aussi rapidement. Selon les estimations de certains experts, en 2030, le marché de l'investissement participatif sera d'environ 2 billions de dollars. Billions de dollars, d'accord? D'ici là, l'investissement participatif, eh bien, deviendra, en quelque sorte quelque chose d'obligatoire, pour celui qui a le moindre portefeuille d'investissement. Vous savez, l'évolution, c'est un petit peu comme l'histoire du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. On n'y pense pas vraiment. On se dit, oh non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais en fait, au fil du temps, ben, il y en a qui reviennent à la charge et disent, ah mais tiens, mais finalement, c'était peut-être pas trop mal. Finalement, j'ai entendu dire qu'il y en a qui ont quand même gagné de l'argent avec. Il y en a aussi qui en ont perdu, hein, par exemple. Mais il se trouve que là, dans le cadre d'un portefeuille, un portefeuille financier, quelqu'un qui fait de l'investissement aura du mal à passer à travers les gouttes du financement participatif. Et le financement participatif constituera une partie du portefeuille des gens qui aujourd'hui, par exemple, bien boursicotent ou font de la crypto, etc. Ça fait partie de quelque chose que l'on aura besoin pour un investisseur, je parle. Pourquoi l'investissement participatif, eh bien, se développe-t-il activement maintenant? Eh bien, c'est devenu possible grâce essentiellement au développement des technologies modernes telles que Internet. Grâce à Internet, les gens peuvent maintenant communiquer entre eux, se réunir en groupe ou en communauté et peuvent discuter d'affaires, peuvent parler de différentes choses. Par exemple, dans un groupe qui parle d'affaires, des chats, des forums, il y en a plein sur WhatsApp, sur Telegram, sur Messenger, partout, il y a des groupes où les gens peuvent discuter entre eux et parler et inciter les autres à venir payer et à venir soutenir un projet qui leur tient à cœur. C'est donc grâce à Internet que les gens peuvent communiquer et avoir un système d'automatisation dans un back-office, c'est-à-dire sur une plateforme en ligne, qui vont leur faciliter les choses pour accepter les investissements d'un grand bon nombre illimité d'investisseurs. Ça aussi, c'est un phénomène que l'on n'a pas l'habitude. On pensait à un moment donné qu'on pouvait qu'échanger des billets comme ça en espèces.
Or, aujourd'hui, cela a complètement changé, notamment avec Solar Group. On peut payer, bien sûr, tout cela en ligne. Et c'est d'ailleurs absolument beaucoup plus conseillé par rapport à d'autres systèmes qui sont devenus un peu obsolètes et même voire dangereux pour certains. Auparavant, il n'y avait plus de telles opportunités, hein. Il faut dire que les projets d'affaires qui étaient proposés notamment par des agents dans les banques. Mais je ne sais pas si votre banquier vous a souvent téléphoné pour vous proposer des actions, ça m'étonnerait. En général, il appelle plutôt pour le découvert que vous avez la banque. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ordinaires, sans capital important, peuvent et ont la possibilité d'investir, ce qui n'était absolument pas possible avant. Je sais que lorsqu'on a fait des présentations au Bénin, encore il y a quelques semaines, on parlait de ce genre de phénomène où effectivement, les gens qui avaient des moyens et qui pouvaient investir devaient parfois même aller jusqu'à l'étranger pour aller acheter des actions dans une société telle que Volkswagen ou etc. Mais le monde entier change, hein. L'industrie de la finance change également. Et maintenant, les projets d'affaires n'ont plus besoin de couches intermédiaires comme le banquier, par exemple. On a possibilité d'acheter directement sur une plateforme comme Solar Group, eh bien, un investissement qui peut s'avérer très intéressant au fil du temps. Les entreprises peuvent attirer des financements, ceux qui se proposent, hein, ceux qui sont soutenus par Solar Group. On parle de ces financements, de ces sociétés-là, eh bien, de la part des financements, de la part de gens ordinaires. On n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir investir. Les gens ont accès à divers projets innovants aujourd'hui et peuvent en tirer profit avec de petites mises d'argent, mais qu'ils font fructifier et qu'ils font également grâce à ce que propose Solar Group, et on va en parler dans un instant, qui est le partenariat et qui permet de gagner de l'argent, donc grâce à Solar Group, et qui permet d'avancer et de vous montrer qu'il y a des choses à faire et d'investir, d'investir l'argent qu'on peut gagner de telle manière à ce que ce que vous investissez eh bien, ne vous coûte pas grand-chose, en fait. C'est surtout ça. Si on regarde un petit peu les investisseurs privés, eh bien, ce sont les clients qui, sur la base d'un contrat d'investissement, eh bien, achètent une participation dans la société, notamment celle que nous proposons, qui est Sauvelmash, dans le but de réaliser des bénéfices futurs, bien sûr, grâce aux dividendes, ou alors à la revente de leurs actions lorsque ce sera plus rentable et lorsqu'elles auront pris une cote assez importante. Solar Group permet à toute personne d'investir dans des projets d'investissement à haut rendement et de devenir copropriétaire de l'une de ces entreprises que nous promotionnons. Alors, je dis des fois une de ces entreprises, alors que nous n'en avons qu'une, mais je vous rappellerai que, il est en prévision d'en avoir d'autres à l'avenir et que cela est donc important de le préciser. On va parler un petit peu des partenaires, parce que tout à l'heure, eh bien, on parlait déjà des partenaires. C'est quand même des clients à la base, hein, de la société qui ont conclu cette fois-ci un contrat de partenariat. Donc, c'est quelque chose qui est optionnel, vous n'avez pas d'obligation à le faire. Et ces contrats de partenariat permettent de dire que chacun s'engage officiellement dans la promotion de la formation du produit. Donc, de la société et soutient eh bien, la clientèle dans le monde entier. C'est-à-dire que, en fait, nous allons nous transformer en VRP, si vous voulez. Hein, c'est une expression qu'on a en France. On va se transformer en VRP. Le VRP, c'est celui qui commercialise, c'est celui qui promotionne, c'est celui qui vend. Voilà, donc vous allez devenir des vendeurs de parts sociales en étant partenaire. Et les avantages de l'entreprise de partenariat avec Solar Group sont nombreux. Il y a le développement et la promotion professionnelle qui est rapide. Vous avez un bon revenu et une indépendance financière qui peut en découler. Vous avez une liberté d'action. Vous pouvez travailler un petit peu quand vous voulez. Vous avez un environnement fort parce que vous pouvez être entouré par des gens qui ont déjà une certaine expérience et qui peuvent vous aider. Une croissance personnelle et un développement aussi parce qu'on apprend à force d'être avec d'autres personnes. Et une reconnaissance des mérites de la réalisation par la société, par des statuts qui ont été mis en place, et on va également en parler dans un instant.
Les avantages sont importants. Vous pouvez commencer à travailler dans le programme de partenariat sans faire d'investissement. Attention, ça sera un peu plus dur, hein, parce que si c'est sans investissement, vous allez toujours avoir celui qui va vous poser la question si vous, vous avez déjà investi. Et si vous n'avez pas investi encore, il va vous dire, ben, j'attendrai que ce que toi, tu auras investi, je vais investir également. Donc, vous pouvez partir de zéro avec Solargo. Vous pouvez gagner absolument sans risquer quoi que ce soit, mais c'est juste un petit peu plus dur. Pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer des gens autour de vous et que vous allez proposer le business, eh bien, ils vont surtout vouloir être intéressés par savoir si vous-même vous avez déjà acheté pour qu'eux-mêmes puissent être rassurés sur le produit que vous essayez de leur proposer pour qu'ils en achètent. Que vous puissiez leur vendre, bien que ce ne soit pas vous qui vendiez en direct, mais la plateforme, c'est une façon de parler. Vous pouvez donc acheter des parts à la société avec l'argent que vous allez gagner. Gagner les premiers bonus de partenariat, c'est aussi quelque chose d'essentiel, et de pouvoir les utiliser pour payer vos propres parts. Alors, il s'agit de quoi? Eh bien, en fait, un partenaire peut tout à fait être client à partir de 18 ans. Il s'inscrit donc sur la plateforme Solar Group donc, et il signe un contrat d'investissement. Et ensuite, il y a possibilité de signer ce qu'on appelle un accord de partenariat qui est passé après aussi la vérification de son compte, ce qu'on appelle le KYC. Et peu importe si vous viviez du coup dans une île déserte, bon, il vaudrait mieux avoir Internet, hein, ceci dit, combien vous gagnez maintenant et ce que vous avez fait auparavant, n'importe qui peut le faire, un homme, une femme, n'importe quel âge, et donc votre éducation, peu importe aussi. Votre profession, eh bien, c'est pareil. L'essentiel, c'est que vous ayez un statut social. Même bas permet de commencer à travailler avec Solar Group. La situation financière vous sera, permettra d'améliorer votre quotidien et vous permettra d'être dans un projet globalement utile, il faut le dire. Donc, si vous prétendez à bien plus que ce que vous avez maintenant, sachez que Solar Group peut vous l'apporter. C'est à vous de décider de savoir si vous voulez travailler quelque chose. Si vous voulez rester bullé, comme on dit chez nous en France, ou dormir dans un coin, ou alors bouger et essayer de voir si vous ne pouvez pas promotionner un peu ce projet, parce qu'il est fort intéressant et que les gens s'y intéressent aussi, parfois, je vous le dis, par le biais de l'écologie, mais aussi par les gains qui sont prometteurs et qui sont annoncés pour l'avenir. On n'a pas de chiffres exacts, mais pour les gains. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez important donc dans le développement de la société. Maintenant, on va parler du programme de partenariat en lui-même. Sans exagération, on peut dire que le programme de partenariat, qui est donc le marketing, c'est le marketing du 21e siècle, hein, eh bien, c'est le modèle économique d'entreprise le plus progressif et qui a la possibilité de travailler, de gagner de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur privé à son compte, parce que chacun, lorsqu'il signe le contrat de partenariat se considère donc être à son propre compte, c'est-à-dire avoir une entreprise qu'il va déclarer, par exemple, et dans laquelle il va avoir l'occasion eh bien, d'évoluer. Aujourd'hui, Solar Group compte plus de 350 000 clients dans le monde entier. C'est le grand mérite des partenaires, parce que c'est grâce aux partenaires qui font connaître la société que tous ces gens arrivent et s'inscrivent. Sur la base de ce fait, nous pouvons dire que, en toute sécurité, que le type de marketing de réseau que propose Solar Group, est un programme très efficace. Mais les programmes de partenariat, vous savez, sont populaires dans de nombreux domaines d'activité. Par exemple, il y a les banques, il y a les hypothèques, il y a les prêts, il y a les cartes de débit et de crédit. Il y a également des grandes sociétés qui vendent des objets comme Amazon, comme Jumia. Souvent, les gens ne le remarquent même pas, mais ils pensent pas qu'il y a un programme de partenariat alors qu'ils achètent quelque chose avec un lien. Et en fait, eh bien, il y a tout un lien de partenariat derrière qui permet à d'autres gens de recevoir des commissions. Mais ça, c'est le business d'aujourd'hui. C'est une activité honnête, légitime, prometteuse,
est bien rémunéré. Donc, et qui peut faire à la fois de vous des gens heureux qui vont gagner beaucoup d'argent, et ou alors une source supplémentaire d'argent pour celui qui a peut-être déjà un job et qui ne veut pas particulièrement s'investir un peu plus. L'avantage, c'est que la société n'investit pas d'argent dans de la publicité. C'est chaque personne et chaque partenaire qui va faire la promotion, et en ne payant uniquement qu'au résultat, eh bien, la société fait des économies. Parce que si vous faites quelque chose, ben, vous gagnez quelque chose, et si vous ne faites rien, ben, vous ne gagnez rien. Donc, le programme de partenariat vous permet de travailler à temps partiel et sur tous les plans, vous pouvez essayer de voir si, par hasard, ou si vous avez plus de temps à dégager, si vous ne pouvez pas développer cette activité à temps plein, parce que là aussi, ça peut être très intéressant. Tout dépend uniquement du désir et des capacités de chacun à vouloir créer son propre emploi, soit à temps plein, soit à temps partiel, comme je disais. Et consacre la promotion à ça. Si vous consacrez la promotion du projet, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Si vous consacrez beaucoup à la promotion du projet, vous aurez beaucoup d'argent. Si vous faites que 2 ou 3 heures par jour, c'est votre droit, eh bien, vous pouvez le faire, mais cela vous rapportera nettement moins d'argent. Donc, faites en fonction de vos possibilités, de vos, de l'accroche que vous pouvez avoir, comme on dirait, avec la société Solargro, de votre ressenti. Vous savez, on peut développer des tas d'autres choses, même avec un boulot à temps plein. Il suffit d'en parler un petit peu aux collègues de travail, etc. Ce n'est pas toujours non plus les meilleurs éléments, hein, il faut dire. Hein, que quand on a des collègues de travail qui nous critiquent, ce n'est pas bien non plus. Mais on peut commencer par des collègues de travail. Tout dépend aussi du domaine dans lequel on peut se situer. Je voudrais encore vous parler de cette société de partenariat qui est sous la coupe, parce que l'entreprise de partenariat, c'est l'activité principale d'un partenaire dans laquelle il gagne de la formation, de la mise en œuvre d'une stratégie de promotion du projet, et dans le cadre de l'entreprise de partenariat, il crée ses précieux actifs financiers, revenus de base ici et maintenant, investissements, revenus passifs, des investissements pour l'avenir. Il a aussi le contact humain, la clientèle, les équipes de partenaires, le côté intellectuel, les compétences acquises et les expériences entrepreneuriales dans ce domaine. Vous savez, j'ai personnellement eu l'occasion de développer du marketing de réseau il y a une bonne trentaine d'années en arrière, et c'était pour des produits américains. Et une chose est sûre, c'est que je n'avais pas totalement compris le concept à l'époque. C'est aujourd'hui, ça me permettrait d'être beaucoup plus loin encore. Mais nous avions également des réunions, des séminaires, des présentations sur scène, etc. Et je participais à tout ça. Je lisais des livres, j'écoutais des cassettes à l'époque pour me motiver. Mais il est important de comprendre qu'il ne faut jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Parce que si vous abandonnez dans ce domaine, parce qu'on vous a contraint à abandonner, ou parce qu'on vous a raconté des salades, comme on dit, des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, en fait, vous allez vous décourager. Et c'est le grand problème du marketing de réseau aujourd'hui, c'est que quand vous voulez faire quelque chose qui est sérieux, justement, comme Solar Group, eh bien, il y a toujours des gens qui viennent vous torpiller le boulot et qui viennent vous raconter que c'est une arnaque ou que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Et ça, c'est un peu dommage parce que effectivement, il y a des gens qui se sentent affectés par ce genre de remarques et qui vont subitement s'arrêter alors que c'était des futurs champions qui sont rentrés dans le business et qui auraient pu faire beaucoup, beaucoup de choses et même évoluer à titre personnel très positivement. Mais malheureusement, vous avez un beau-frère ou un beau-frère trader ou quelqu'un comme ça qui connaît tout et qui veut casser la baraque et qui va vous raconter qu'effectivement, c'est lui qui connaît tout et que vous avez tort et que vous n'y connaissez rien. Alors, il le sait que vous n'y connaissez pas grand-chose, très certainement, et il va vous décourager d'avancer dans le projet des moteurs de Unoff et les différents projets que la société Solargroup pourrait être amenée à vous proposer à l'avenir pour que vous aussi, vous puissiez enfin gagner de l'argent. Parce que rappelez-vous une chose, c'est que le fameux beau-frère trader est toujours celui qui viendra vous taxer les 15, 20 000 ou 30 000 à la fin du mois. Je parle là de France CFA parce que je suis en Afrique de l'Ouest francophone. Mais c'est comme ça. Écoutez le beau-frère, si vous voulez.
parler, mais essayez de jeter un coup d'œil quand même sur ce qu'on vous propose et de voir l'efficacité et les paiements qui sont effectués depuis 4 ans et demi par Solarco pour vous rendre compte que nous sommes dans quelque chose d'extrêmement sérieux. Quels sont les avantages de l'entreprise de partenariat Solarco? Ben, le premier, c'est une entrée facile et un système d'apprentissage étape par étape. Tout le monde peut commencer des activités de partenariat. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'un capital, vous n'avez pas besoin d'éducation spéciale. Toutes les connaissances nécessaires au travail sont fournies par l'entreprise dans le cadre d'une formation gratuite. Moi-même, je fais des formations, par exemple, je vais également encore en faire une demain au Sénégal, à Dakar. Mais bizarrement, on a souvent, que ce soit d'ailleurs à Dakar ou ailleurs, hein, c'est pas spécialement pour les Sénégalais, on a également fait des séances de formation à Cotonou, au Bénin, etc. Mais très souvent, on se rend compte que les gens sont très peu nombreux à venir suivre les formations parce qu'ils pensent tout savoir, mais en fait, ils savent absolument rien. Et ensuite, ils se découragent et puis ils rencontrent ben, le bof trader. Et celui-là, ben, il va dire non, 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 il faut pas faire. Et là, on va les écouter plutôt que d'écouter ceux qui ont réussi et ceux qui font déjà du chiffre et qui gagnent déjà de l'argent dans Solar Group. Toutes les connaissances nécessaires au travail elles sont fournies par l'entreprise dans le cadre notamment de documents. Alors, en ce moment, il y a un système de formation qui a été mis dans le back-office et je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est vraiment complet sur 9 chapitres. Croyez-moi, c'est vraiment un morceau et il y a vraiment des conseils très, très, très bien faits. Moi, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, de regarder comment c'est fait. Vous savez, les partenaires de Solar Group déterminent eux-mêmes leur volume d'emploi, leur temps qu'ils veulent consacrer, et la rémunération n'est que la conséquence du travail qu'ils auront adopté. Donc voilà. Vous savez également, je voudrais dire que, parce que c'est important de le dire, que les retraits sont possibles sur Solar Group. C'est-à-dire qu'on peut vivre de Solar Group, on peut gagner de l'argent sur Solar Group. Les retraits sont possibles à partir de 200 $ vous pouvez également tabler sur quelque chose qui est libre totalement. Vous pouvez travailler quand vous voulez, à n'importe quelle heure, le jour, la nuit, les deux, si vous voulez. La société crée toutes les conditions pour que les partenaires aspirent et puissent améliorer leurs compétences. Et des compétences, eh bien, on les acquiert au fil du temps aussi. C'est un peu comme rouler dans une voiture. Si vous êtes tout débutant, bien, vous ne savez pas grand-chose. Mais au fil du temps, quand vous apprenez à conduire et que vous conduisez pendant des années, eh bien, finalement, ben, vous allez commencer à voir des choses qui vont vous sauter aux yeux et qui vont faire que vous allez rouler toujours de mieux en mieux, hein, jusqu'à devenir des Fangio et faire peut-être même des accidents parce que vous pensez que vous êtes un peu au-dessus de la moyenne. Bon, en fait, ça, c'est autre chose, hein. Vous avez également des outils modernes qui sont utilisés donc dans Solar Group, notamment des vidéos, Internet. Nous avons des partages d'annonces. Dieu sait que des annonces, il y en a tellement parfois dans la journée qu'on ne sait même plus où aller avec. Non, mais on vous les balance en permanence. Moi-même, qui suis au cœur de ces annonces toute la journée à les donner, c'est pour que vous aussi, vous puissiez les partager et rajouter en dessous, par exemple, votre lien d'affiliation. Partager les annonces que nous avons. Vous avez eu aussi une atmosphère d'aide et de soutien, comme c'est indiqué sur le slide. Cette aide et ce soutien, eh bien, c'est également des partenaires nationaux qui se déplacent, comme moi-même, dans différents pays, comme au Sénégal, où je suis actuellement, et qui permettent à tout un chacun de venir me rencontrer et d'avoir des conseils pour pouvoir démarrer. Parfois, les gens se disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Ben, vous parlez aux autres gens, vous faites palabre, comme on dit hein, en Afrique de l'Ouest francophone, vous faites palabre avec d'autres personnes et vous expliquez ce que c'est que le projet. Et comme vous ne avez souvent pas très bien expliqué, parce que ben, vous êtes peut-être nouveau, ou alors ça fait déjà un bout de temps que vous êtes là, mais vous n'avez pas mis le nez dedans depuis 6 mois, eh bien, vous pouvez tout simplement utiliser les personnes qui savent expliquer votre upline, comme on dit, les gens qui vous ont parrainé auparavant et qui sont peut-être déjà là depuis plus longtemps et qui en connaissent peut-être un bon rayon. Ou alors que ce soit moi-même, le partenaire national ou d'autres gens qui sont plus proches de vous et qui ont déjà une certaine connaissance de comment fonctionne Solar Group. Vous savez, Solar Group, ce n'est pas seulement une entreprise, hein, c'est aussi une communauté internationale de personnes qui partagent les mêmes idées.
où le succès de chaque participant en particulier dépend souvent du succès de l'autre et qui dépend du succès de l'équipe. Donc, si vous aidez des personnes à réussir, vous allez réussir vous-même. Mais ça, c'est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes qui ne sont pas dans le marketing de réseau et qui ne suivent pas spécialement les conseils qu'on peut leur donner. Les outils, du matériel, il y en a plein dans le back-office. Parfois, on demande souvent à mon assistante s'il n'y a pas un PDF de quelque chose ou un PowerPoint. Comment on peut expliquer ceci, comment on peut expliquer cela. Donc, vous savez, nous avons beaucoup d'outils qui sont directement juste sous notre nez dans le back-office et on ne les voit pas. Ce document-là que je suis en train d'utiliser là, il y a des gens qui vont demander à la fin de la présentation, mais où c'est qu'on peut l'avoir, ce document? Parce qu'il est bien fait, il est joli, il explique tous les textes, tout ce que je vous raconte là, c'est même expliqué dans un texte. Vous pouvez juste relire exactement ce que je suis en train de dire. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans votre back-office en téléchargement dans pour les partenaires et matériel de travail. Et là, tellement peu de gens vont jeter un coup d'œil là-dedans qu'ils se posent la question comment travailler, comment faire. Alors maintenant, je vous le rappelle encore une fois, vous avez une partie formation dans le back-office. Et cette partie formation vous apporte beaucoup d'éléments pour savoir par quoi démarrer, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, on commence par quoi, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on va offrir aux gens. Parce que, bien sûr, je vous ai parlé également du fameux cadeau de 200 parts que vous pouvez offrir à 100 personnes par mois. Et voilà, quoi. Vous pouvez travailler dans ce back-office à tout moment, le jour, la nuit, le jour et la nuit, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est parfois mon cas. Mais si on ne met pas un petit peu d'entrain à faire quelque chose, eh bien, il n'y a rien qui se passera. Mais l'argent ne tombe pas du ciel. Aujourd'hui, on a besoin de travailler pour le faire, pour le réaliser. Et alors, il y en a qui pensent qu'on travaille un peu trop dans la journée maintenant, mais la différence, c'est qu'on travaille 4-5 ans pour avoir un revenu passif illimité et d'autres vont travailler 30 ou 40 ans pour avoir une retraite de misère. C'est ça toute la différence aujourd'hui. Mais ça, tout le monde ne veut pas le comprendre et ne veut même pas l'entendre. Et c'est ça un petit peu qui est dommage. Alors que cela groupe est là pour vous apporter de la formation, du soutien, vous permettra de travailler à tout moment, de n'importe où aussi, parce que vous pouvez avoir juste un smartphone ou un ordinateur, c'est quand même des fois un peu mieux, d'avoir un peu d'électricité et de pouvoir recharger tout ça. Et bien sûr, une connexion Internet. Ça me paraît indispensable aussi pour savoir se connecter à son compte parce que des fois, on n'a pas compris non plus que ça se faisait en ligne. De plus, le réseau de partenaires n'est pas seulement limité par son désir de gagner de l'argent. Vous pouvez commencer à gagner avec la société Solar Group très simplement et sans investissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez démarrer tout simplement sans avoir un seul franc en poche. S'il vous suffit tout simplement de recommander l'excellente plateforme que nous avons, de parler de tout cela, mais à beaucoup de gens, parce que je voudrais donner un petit conseil ici, c'est que si vous démarrez à zéro et que vous ne voulez pas investir, mais parlez-en beaucoup, mais pas juste quelques minutes par jour, beaucoup, 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 très, 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 très souvent, toute la journée. Et là, vous allez travailler au moins 3 fois plus qu'une autre personne parce que c'est ce qu'il va vous falloir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir petit à petit, je dis bien petit à petit, petit pas après pas, vous allez pouvoir parrainer des gens et vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent. Mais petit à petit, hein, parce que si vous n'investissez pas vous-même, vous n'aurez pas ce que je dis de crédibilité. Et ça, c'est vraiment important. Nous avons toutefois un climat d'entraide dans la société Solar Group où on explique aux gens un petit peu comment faire. Vous avez également les connaissances, les reconnaissances qui sont faites par le biais de divers statuts, grades que nous avons. D'ailleurs, on va en parler tout de suite dans le prochain slide pour que vous puissiez avoir plutôt un visuel sous les yeux pour mieux comprendre de quoi je parle quand je parle de grades et de statuts dans le domaine du partenariat. Parce que en plus de ça, nous venons de créer un nouveau statut de partenaire récemment qui, vous allez le voir, est celui qui est complètement à droite et qui est celui de président. Voilà donc les partenaires, spécialistes, masters, experts et présidents. Voilà donc les différentes possibilités. Alors,
Le plan marketing de Solar Group définit une récompense et des outils d'encouragement pour les partenaires, ce qu'on appelle une carrière. Il représente une échelle donc de carrière dans le partenariat pour montrer que l'on peut gagner toujours plus d'argent et avoir des succès, non seulement avoir l'argent, mais aussi être reconnu par ses proches, par son équipe, par les gens qui travaillent avec vous, et aussi par la compagnie. En augmentant ses revenus dans Solar Group, eh bien, il existe six statuts de partenaire. Vous êtes au tout début, ben, vous êtes partenaire, vous êtes au bas de l'échelle, c'est pour ça qu'on a mis comme ça, un petit peu en dégradé. Eh bien, vous êtes ensuite spécialiste, vous pouvez récupérer les investissements personnels. Vous pouvez récupérer des montants qui sont payés par des gens qui vous ont suivi. C'est ce qu'on appelle les bonus de partenariat. Vous pouvez gagner de l'argent et un revenu pendant votre temps libre en étant master ou même plus si effectivement vous avez un petit peu plus d'entrain à vouloir travailler. Il y a des gens qui sont même en tant que master, arrêtez de travailler. Hein. Moi, je ne préconise pas qu'on arrête son emploi. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais si certains sentent gagner plus d'argent avec Solar Group, eh bien, vous pouvez quitter aussi votre emploi. Je connais des personnes qui l'ont fait, des leaders qui sont chez nous avec Solar Group et qui ont quitté leur emploi parce qu'ils se sentent mieux dans Solar Group. C'est un travail plus reposant, plus propre. Quand je parle de propre, c'est, je sais pas moi, par rapport à quelqu'un qui travaille peut-être dans la poussière, dans le sable, dans le macadam, dans le béton, voilà, c'est ça que je parle. Quand c'est plus propre, je parle de ça. Ensuite, si vous voulez devenir expert dans donc la société, vous allez réaliser plutôt là devenir presque un peu un professionnel, quelqu'un qui va consacrer beaucoup beaucoup de temps pour ensuite devenir professionnel et construire une entreprise de partenariat. Construire une entreprise de partenariat, c'est ce que moi j'ai fait personnellement. C'est-à-dire que j'ai construit mon statut de professionnel en un an. Donc en fait, votre carrière là que vous réalisez en 30 ans, eh bien moi je l'ai fait en un an. Donc voilà, la différence elle est un peu là. Vous qui passez par la petite porte pour entrer dans votre entreprise et qui peut-être allez atterrir en tant que secrétaire du patron ou peut-être dans le fauteuil du patron, eh bien, vous allez peut-être mettre toute une carrière, peut-être 20 ans, 30 ans, ou peut-être 40 ans pour certains qui travaillent jusqu'au bout de leur vie ou de leur capacité physique. Et d'un autre côté, eh bien, vous avez ceux qui font le travail pendant 3, 4, 5 ans et qui vont bénéficier de retours sur investissement de ce qu'ils ont fait pendant ces années-là. C'est une grande différence. Et je vous conseille quand même la mienne parce que je trouve qu'elle est plus sympa. On se fatigue moins. Vous savez, j'avais eu dans ma vie aussi des gens qui parfois disaient ah mais toi t'es bien parce que toi tu ne te casses pas le dos, tu n'as pas de courbature parce que tu fais des travaux qui sont physiques. On me critiquait presque, un peu par jalousie, parce que ben, moi je dis à ces gens-là, ben, faites-le, faites la même chose que moi, faites-le, et puis comme ça vous allez voir que c'est un avantage, que c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir avoir. Vous savez, là, il y a maintenant un nouveau statut de président. Vous voyez, c'est le tout dernier statut tout en haut, là, qu'on vous présente. Eh bien, le statut de président en lui-même, là, c'est un nouveau statut qui vient d'apparaître il y a une quinzaine de jours. Et bon, c'est pas pour me vanter non plus, mais j'ai la chance et grâce à mon travail que j'ai réalisé à un moment donné, parce que j'ai les cinq experts qu'on a besoin pour devenir président. Effectivement, j'ai réussi à atteindre le statut de président très récemment. Dans ce cadre, vous pouvez voir ici le plan de rémunération que propose la société Solar Group pour que vous aussi vous puissiez avoir une petite idée. Eh bien, on gagne 15% au premier niveau. C'est-à-dire que si vous-même vous amenez des gens dans la société, que ces gens sont intéressés par acheter des parts sociales, donc dans Sauvelmash, eh bien, vous allez gagner 15%. Ce sont des récompenses, c'est-à-dire ce sont des commissions en fait, et des outils d'encouragement aussi qui sont là de vous faire passer d'un statut à l'autre. Donc vous pouvez voir que si vous augmentez de statut, eh bien vous augmentez le nombre de niveaux dans lesquels vous allez pouvoir avoir des commissions. Mais cela va jusqu'à 20 niveaux en tant que professionnel.
et jusqu'à 24 niveaux en tant que président maintenant. Donc voilà, personnellement, j'atteins les 24 niveaux de profondeur. Et j'ai effectivement dans mon organisation et dans ma structure, je crois que je dois atteindre au moins plus de 20 niveaux. Il va falloir que je jette un petit coup d'œil, tiens, un de ces jours. Je n'ai pas tout à fait ma structure en tête, mais je pense que j'ai des gens qui sont maintenant là jusqu'au 24e niveau chez moi et qui me permettent de recevoir ce qu'on appelle les revenus passifs illimités. Bien sûr, s'ils sont très loin derrière, donc 21, 24 niveaux, c'est 0,3%, ce n'est pas des gros montants, c'est des 0,05, 0,01 ou des choses comme ça qui peuvent tomber. Mais c'est de l'argent, parce qu'accumuler toute la journée avec des paiements qui se font à travers la planète, parmi tous les gens qui sont dans la structure, ça fait forcément de l'argent. Même si c'est des petites sommes qui sont accumulées au bout de la journée, ça fait beaucoup plus d'argent que vous allez pouvoir gagner. Si vous voulez voir un petit peu ça plus en détail, on peut également jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans le prochain slide, parce que souvent on nous demande comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Bien sûr, on est curieux de savoir comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Eh bien, voici tout un tableau qui vous propose comment faire et comment devenir spécialiste, master, expert, professionnel ou président. Pour devenir spécialiste, vous voyez que vous devez avoir investi, par exemple, 250 $ et avoir deux personnes en premier niveau qui ont investi 100 $ chacune, ce qui vous fait un total de 450 $ entre vous et les deux personnes que vous avez. Si vous voulez devenir master, vous devez avoir trois investisseurs de 200 $ au premier niveau. Vous devez atteindre ensemble vous-même et le premier niveau 2000 $ à raison de 500 $ vous-même. Vous devez également, pour être expert, avoir investi 1 500 $ personnellement, avoir trois masters et accumuler 5 000 $ au premier niveau avec vous-même. En tant que expert, eh bien, vous devez avoir trois masters. Trois masters et avoir investi 1 500 $ et 5 000 $ donc au premier niveau. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit tout à l'heure, je crois que j'ai sauté une ligne. Et professionnel, vous devez avoir 5 000 $ d'investissement personnel, avoir trois masters, non, pardon, trois experts, je me trompe encore une fois de ligne, trois experts pour être professionnel, pardon, et accumuler 10 000 $ entre vous et le premier niveau. Et en tant que président, ce qui est mon cas, c'est d'avoir dépassé 10 000 $ d'investissement, avoir 5 experts au premier niveau, et que entre vous-même et les 5 experts et tous les autres gens du premier niveau, vous ayez atteint 20 000 $. Ça paraît peut-être fou comme ça paraît peut-être beaucoup de sommes, des sommes importantes à avoir et à réaliser. Sachez que c'est absolument réalisable. C'est pas très difficile de le faire. Auparavant, j'étais dans un autre système de marketing de réseau où c'était beaucoup plus difficile pour atteindre ce genre de niveau. Il faut travailler, c'est sûr. Je peux vous garantir que en travaillant, vous pouvez y arriver. C'est une question de temps. Je vous ai dit, moi, j'ai fait en un an, je suis passé de spécialiste, enfin de partenaire plutôt, à professionnel. Et là, récemment, le statut de président est sorti et je suis passé président en l'espace de quelques jours après que ce statut soit sorti. Donc, c'est absolument réalisable. Surtout si vous avez bâti quelque chose avec des bases solides auparavant. Donc, il vous faut toujours fixer un objectif important, qui est par exemple celui de président, et de vous dire, voilà, j'ai besoin de devenir président, je vais tout faire pour le devenir. Petite précision, tous les 6 mois, il faut confirmer son statut de président. Oui, c'est une nouvelle règle. Donc, tous les 6 mois, vous devez confirmer votre statut de président en rajoutant soit un expert, soit en investissant vous-même 10 000 $. Voilà donc la possibilité de garder son statut de président. Alors, vous le voyez, c'est écrit ici. Le statut, alors c'est écrit ici, non, pardon, je ne vous ai pas avancé le slide. Voilà, c'est écrit là. Donc, la requalification, c'est un expert au niveau 1, donc, ou 10 000 $, c'est ce que je viens de vous dire. Ou alors, si vous n'avez pas la requalification, bien, à ce moment-là, et que c'est un peu plus tard, ben, il va falloir les deux.
c'est-à-dire 10 000 dollars et un expert en plus. Donc, vous avez tout intérêt à soit investir 10 000 dollars de plus, soit à trouver surtout un expert, ce qui paraît beaucoup plus facile encore que de sortir 10 000 dollars. Enfin, chacun voit midi à sa porte et chacun voit comment il faut faire pour garder ce statut. C'est pas grave, si on le perd, on peut toujours le rattraper, on peut toujours en avoir un plus tard, un petit peu. Donc, ce n'est pas très grave si on loupe un petit peu ce genre de choses. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un petit peu les expansions mondiales, les participants au projet, nos investisseurs et partenaires de Solar Group vivent dans presque tous les pays du monde. Le plus grand nombre réside dans les pays où des bureaux nationaux ont été ouverts. Je parle un peu pour ma paroisse. La société a ouvert et des pays que vous avez ici, dont les partenaires nationaux sont plus nombreux. Vous avez donc, je vous les cite si vous ne l'avez pas vu sur l'écran, la France, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Inde, la Hongrie, le Vietnam, la Croatie, le Sénégal, le Bénin, le Togo, l'Indonésie, le Nigeria, Cameroun, Burkina Faso, Népal, Italie, Pérou, Équateur et Russie. Voilà donc les différents pays où sont installés des partenaires nationaux. Je vous rappellerai que personnellement, je suis partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso, ce qui fait 7 pays pour moi, tout seul, oui. Je tourne donc dans les différents pays où actuellement, on peut préciser que je suis au Sénégal pour organiser une conférence qui aura lieu bientôt le 7 mai prochain. Et on invite tous les Sénégalais à participer à cette grande conférence qui leur redonnera quelques bonnes idées sur le développement de la société en elle-même et sur ce qui s'est passé depuis l'ouverture du Sénégal en février 2020. Quel est l'objectif? Donc, la stratégie de développement du réseau de bureaux des partenaires nationaux permet à l'entreprise, d'une part, d'atteindre l'objectif de financer en temps opportun le projet des moteurs de Hulot, parce que plus vite et plus on a d'investisseurs, et plus vite on va atteindre le projet et l'étape 20, et mieux ce sera. Former un cercle d'investisseurs aussi, des partenaires qui sont fidèles au projet dans un pays. En associant de nouveaux pays au projet, eh bien, nous formons une communauté qui sont reliés par des images que l'on publie, par beaucoup de présentations que l'on fait. Ce sont des personnes au niveau international qui sont capables de réaliser notre mission et de soutenir nos futurs projets internationaux. Parce que je vous rappellerai que la société Solar Group envisage d'avoir non pas seulement le projet des moteurs du Neuf, mais d'autres projets encore à l'avenir. De renforcer son positionnement, parce que Solar Group est comme un acteur international important dans le domaine de l'investissement participatif aujourd'hui. Et c'est donc important de pouvoir poursuivre cette façon de promouvoir la société en elle-même. Promouvoir aussi nos projets sur le marché international, parce que si vous parlez autour de vous des moteurs électriques, par exemple, eh bien, on a possibilité de voir qu'il y a des gens qui vont peut-être en acheter ou des véhicules. Les statistiques internes de Solar Group montrent que il y a de la part des investisseurs de la Russie, qui est de 26% de leur nombre total dans le projet, eh bien, il y a d'autres pays qui sont des pays qui ont vraiment eu l'occasion de décoller, comme par exemple la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup d'investisseurs. C'est aussi les pays où il y a des représentations nationales qui sont ouvertes, qui représentent 53% des investisseurs venus de la société. Au début de 2022, il faut savoir que les bureaux de représentation nationaux de Solar Group ont été ouverts donc dans 20 pays dont je vous ai donné la liste et que vous avez d'ailleurs à l'écran. Voilà donc les informations qu'on peut vous donner par rapport aux partenariats nationaux dont je fais partie et qui sont les gens qui nous entourent. Pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de la tête que ont chacun de ces partenaires nationaux. Bon, moi, vous m'avez à l'écran, donc ça va. Mais il y en a d'autres également, comme Birdie, hein, qui lui également est parmi les plus titrés également avec moi. C'est lui, il a également 3 pays, l'Inde, le Népal et l'Italie.
Et les partenaires les plus actifs dans leur pays obtiennent le statut de représentant national de Porcelain Group. Les statuts de partenaires nationaux et principaux honorables de l'entreprise, hein, c'est un titre honorifique en tout cas, ce sont les partenaires qui apportent donc la contribution la plus significative de la mission de l'entreprise. Ce sont des personnes qui représentent sur un groupe de leur pays respectif et en même temps, ils sont venus dans l'entreprise de partenariat, dans le statut de partenaire ordinaire, c'est-à-dire qu'on est tous passés par le statut de partenaire et on est devenus des gens qui représentent aujourd'hui la compagnie. Et ça nous fait particulièrement plaisir, chacun d'entre nous, parce que je suis pas tout seul, on est plusieurs, eh bien, a également la chance de faire preuve en devenant un partenaire national dans son pays. Moi, je suis français, mais je suis également partenaire national d'autres pays. La société Solar Group offre des possibilités pour cela. Sachez toutefois que si vous avez des bonnes équipes dans votre pays, on peut essayer de venir. Des fois, les pays qui disent, oui, mais moi, pourquoi vous n'êtes pas chez nous? Je pense par exemple, je sais pas, moi, au Congo, les deux Congos, ou alors le Gabon ou d'autres pays comme ça, ou Haïti par exemple, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Et c'est parce qu'il faut aussi qu'il y ait une certaine communauté dans votre pays, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de membres, parce que comme vous le comprenez, c'est là où il y a le plus de membres et là où il y a un intérêt pour la société d'ouvrir le pays et de développer des choses dans le pays qui font qu'effectivement ce soit intéressant de pouvoir ouvrir ces pays-là. Mais on a toujours des idées pour ouvrir des pays. Et puis, il y en a d'autres, bien, qui ont des grands pays, comme le Vietnam, par exemple, ou l'Indonésie. Donc, vous voyez, par exemple, Monsieur Long, là, qui s'occupe du Vietnam, ou alors Laura Ginta, qui s'occupe de l'Indonésie. C'est tous des grands pays. Et que ben, la Russie aussi, hein, Alexandre Manzula, que nous avons rencontré récemment en Russie, est quelqu'un qui a beaucoup de travail parce que c'est des grands pays où il y a beaucoup de gens et puis il faut voyager à travers des pays aussi. Hein, quand il y a des grandes distances, c'est assez important. Donc, quels sont les outils, par exemple, pour les partenaires? Parce que parfois, on dit oui, mais moi, je ne sais pas où sont les outils. Ils sont fournis par les partenaires aux larges éventails des outils qui sont disponibles, donc, après signature du contrat de partenariat, dans votre back-office, qui est automatisé. Vous pouvez trouver les documents de marketing qui sont nécessaires pour le travail. Vous pouvez trouver des liens de partenariat. Vous pouvez trouver l'entreprise qui vous propose son historique. Vous pouvez trouver ce document-là que je suis en train d'utiliser. Vous avez maintenant un nouveau soutien de formation. Cliquez sur l'onglet formation pour les partenaires. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses maintenant. Vous avez une assistance également en ligne 24 heures sur 24. Non, non, pas tout à fait. Ils dorment de temps en temps. Et ils sont quand même là aussi 6 jours sur 7, pas le samedi. Je reprécise souvent maintenant pour que les gens ne se cognent pas le nez. Le samedi, il n'y a pas de support en ligne. Vous avez également des systèmes de statistiques à l'intérieur. Vous pouvez également devenir professionnel et utiliser ça de façon tout à fait professionnelle avec des outils de statistiques qui vous permettent de savoir ce qui marche le mieux là où les gens arrivent. Vous avez également les cadeaux qui permettent aujourd'hui d'inviter des gens et de leur offrir 200 parts cadeaux dans le business, ce qui est fort intéressant, qui vous permet de ramener des gens là-dedans. Un autre outil qui est apparu récemment et surtout depuis le 1er avril, c'est les fameuses promotions. Les promotions, on n'en parle pas assez souvent, mais dans le back-office, il y a une rubrique promotion maintenant dans le menu. Vous allez voir, vous avez une rubrique où il y a marqué promotion qui contient des informations sur toutes les offres spéciales qui sont là pour les investisseurs et pour les partenaires. Regardez, jetez un œil. Nous avons parlé récemment sur les réseaux sociaux de toutes ces promotions. On a même édité des PDF qui vous permettent de les montrer. Nous avons également possibilité de vous montrer des PowerPoint si vous voulez expliquer tout ça à d'autres personnes. Mais lancez-vous, allez-y. Vous avez un ordinateur, vous avez un smartphone, mais montrez tout ça. Dans la sous-rubrique promotion pour les investisseurs, vous pouvez trouver toutes les offres spéciales pour les investisseurs qui sont en cours. Alors, vous avez des promotions pour le mois d'avril, vous avez aussi des promotions pour le mois de juin, juillet, donc mai, juin, pardon, 3 mois, voilà. Et vous pouvez gagner des lots, vous pouvez gagner 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars, 1000 dollars en tant que président.
Et vous avez également des jolis objets à gagner si les gens bien prennent des packs en dessous de vous. Vous pouvez gagner jusqu'à un ordinateur portable ou des broches avec de l'argent dessus. Voilà, toutes ces choses-là sont intéressantes et sont là pour motiver aussi les gens à faire quelque chose dans la société Solar Group. C'est important de préciser que ce soir encore, beaucoup de gens nous écoutent, mais ne font rien derrière. En fait, ils sont là pour écouter, ils sont là et ils disent, ah oui, c'est bien, c'est bien. Mais en fait, ils ne font rien. Donc, nous recommandons à tous les partenaires d'étudier et d'utiliser les promotions dans leur travail. Allez-y, allez dans votre back-office, cliquez sur promotion et regardez ce qui s'y trouve et vous allez voir qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être un peu plus vous motiver. Alors souvent, l'argent, ça permet de motiver un petit peu les gens, notamment les statuts de partenariat que vous pouvez atteindre et gagner de l'argent. Donc, je vous montre ici, vous avez vu qu'il y a pour les partenaires et pour les investisseurs, vous avez donc deux rubriques qui sont là et qui vous permettent de bénéficier de ces promotions courées parce que, en quelque sorte, il y en a, elles sont là que pendant le mois d'avril et on est déjà aujourd'hui le 4. Donc, ça fait déjà 4 jours de perdu si vous ne saviez pas. Alors, les étapes simples pour devenir partenaire. C'est quoi pour devenir partenaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir partenaire? Déjà, vous devez inscrire les personnes. Vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Eh bien, on demande à la personne qui vous a invité de vous envoyer un cadeau de 200 parts gratuites. Déjà, c'est gratuit. D'accord? Donc, il n'y a rien à payer. Donc, on dit que c'est gratuit, c'est un cadeau. Donc, si c'est un cadeau, vous pouvez déjà vous inscrire et regarder comment ça se passe à l'intérieur. Deuxièmement, vous avez donc un accès à la rubrique pour les partenaires. À partir du moment où vous avez signé le contrat de partenariat, eh bien, vous allez lire et signer le contrat de partenariat. Et là, vous allez donc, qu'est-ce que c'est que le contrat de partenariat? Ben, en fait, c'est la façon de savoir combien vous allez être rémunéré, pourquoi vous allez être rémunéré, vous allez avoir les outils qui vont être là, qui vont vous permettre de travailler, etc. Et vous allez pouvoir commencer à agir. C'est ça qui est écrit en quatrième position. C'est que pour devenir partenaire et gagner aujourd'hui, vous devez vous inscrire dans le back-office, ouvrir la rubrique pour les partenaires, lire et signer le contrat. Puis commencez à travailler, à agir, à faire palabre, à en parler autour de vous et à offrir des cadeaux. Parce que, comme je dis des fois, devenez le Père Noël de votre pays, parce que je suis sûr que vous allez pouvoir faire bénéficier des gens de beaucoup de choses. Et sachez que si vous offrez des cadeaux à 100 personnes par mois, vous obtenez vous aussi à chaque fois 200 parts cadeaux, hein. Et c'est pas rien. Donc, 200 parts cadeaux multiplié par 100, ça fait 20 000 parts cadeaux à ramasser par mois. Attention, n'oubliez pas une chose, c'est que la personne à qui vous offrez le cadeau, elle doit faire ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire la vérification de son compte. Attelez-vous à la tâche de vérifier votre compte, c'est très important, parce que plus tard, lorsque la société va rentrer en bourse et que vous n'êtes pas sur la liste des bénéficiaires, que vous n'avez pas donné votre pièce d'identité, que vous n'avez pas donné votre certificat de résidence, eh bien, on va vous dire, ben, monsieur ou madame, désolé, vous n'avez pas rempli les conditions pour être actionnaire. Donc, faites la démarche qu'il vous faut. Sur cette image, vous me voyez également ici avec le drapeau français. Faites partie de la communauté Solar Group. Le succès de la société, c'est maintenant, c'est une grande partie de mérite des partenaires. Le pouvoir de l'investissement participatif, c'est lorsque nous sommes des centaines de milliers, le petit effort de chacun produit des grands résultats incroyables qui font qu'on peut voir aujourd'hui une construction à Zelenograd avec un bâtiment qui est en train de se construire et qui est sur 17 000 mètres carrés. Mais cela n'aurait pas été possible si personne n'avait bougé le petit doigt et si personne n'avait voulu faire quelque chose dans ce projet. Je vous invite très cordialement à devenir partenaire de cette société Solar Group, à venir travailler avec nous, avec moi, avec Barbara, mon assistante. C'est ce que beaucoup de gens font déjà. Venez nous rejoindre si vous êtes tout nouveau, si on vous en a parlé comme ça et que vous n'êtes encore pas tout à fait à l'aise, c'est pas un problème. On saura vous montrer le chemin, on saura vous montrer comment ça se fait. Mais voyez tous ces gens sur cette image, dont moi-même, c'était en 2019, lorsque nous avons. Vous voyez derrière les arbres qui sont là? Eh bien, ce sont les arbres qui étaient en fait sur le terrain de construction. Et nous avions pris cette photo juste devant la palissade qui sépare les arbres et nous-mêmes. Nous étions là. Et
Ces arbres étaient derrière, et aujourd'hui, eh bien, il y a un bâtiment à la place. Et vous avez peut-être vu des images, des vidéos, des photos où je suis moi-même dessus avec Barbara et l'ensemble de l'équipe Solarcoupe sur le chantier pour vous montrer qu'effectivement, eh bien, cela existe bien et que vous pouvez participer sans crainte à ce projet. J'ai dit sans crainte, je n'ai pas dit sans risque, mais le risque est absolument minimisé. Nous sommes à l'étape 17 sur 20. Pensez donc qu'à l'étape où on se trouve et au stade où on en est avec ce projet, on ne voit pas vraiment où peut se situer le problème, que cela se déroule réellement. Même s'il y a des problèmes géopolitiques, même s'il y a des problèmes dans le monde, aujourd'hui, Sauvelmash est sollicité beaucoup plus qu'auparavant et Sauvelmash va devoir créer et réaliser des objets et des pièces détachées de moteurs qu'elle ne faisait pas avant parce que, eh bien, avant, il n'y avait pas d'embargo et les gens achetaient à l'étranger. Et maintenant, c'est la société Sauvelmash qui est sollicitée. Parce que souvent, on nous pose la question par rapport à ce genre de choses. Et également, quand ce qui concerne l'investissement, chez Solar Group, nous constatons plus d'investissements qu'à l'habitude, malgré que, bien sûr, on n'est jamais trop content qu'il y ait des conflits dans le monde. Mais sachez que cela nous apporte plus de travail et plus d'investissement. Soyez donc rassurés sur ce que nous faisons. N'oublions pas non plus que nous avons dans le monde beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais aussi l'État russe qui soutient ce projet parce que nous avons obtenu un terrain dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, dans le secteur Alabouchevo, parcelle numéro 16, pour être encore une fois bien précis. J'espère que vous avez ce soir l'occasion d'apprécier cette explication que je vous ai donnée ici. Je vais à présent ôter mon PowerPoint. Vous êtes encore quelques-uns dans la salle. Si vous avez l'une ou l'autre question, je veux bien y répondre. N'hésitez pas à poser ces questions dans le chat, dans la discussion que j'ouvre là. Si vous voulez poser l'une ou l'autre question, n'hésitez pas, allez-y. Posez vos questions pour que je puisse également les lire et vous répondre. C'est le moment des questions. Mais si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave, hein. Je veux dire, je pense que j'ai été assez large dans mes explications. Mais on oublie toujours peut-être quelque chose que quelqu'un n'a pas bien compris. Donc, c'est pas un problème. Vous pouvez rajouter un petit mot dans le chat. Les packs varient de combien? Alors, les packs varient de 500 dollars jusqu'à 300 000 dollars. Donc, de 500 dollars jusqu'à 300 000 dollars. Et vous avez possibilité de payer ces packs en 10 fois, 15 fois, 20 fois, 25 fois ou 30 fois en fonction de la grandeur du pack. Vous avez certains packs que vous ne pouvez payer qu'en 10 fois, notamment les plus petits. Par contre, dès que vous atteignez 5 000 dollars, là, vous pouvez déjà atteindre 30 fois, en 30 fois à partir de 5 000 dollars. Vous pouvez payer en 30 fois, ce qui vous fait des mensualités de 167 dollars, par exemple, pour un pack de 5 000 dollars. Ou alors des mensualités de 100 dollars ou 120 dollars ou 50 dollars. Voilà, après c'est 250 dollars, 334 dollars, etc. En fonction, bien sûr, du budget que vous avez et de l'argent que vous pouvez y mettre. J'espère avoir répondu à cette question qui concerne plus un petit peu les explications que l'on donne dans la présentation du projet des moteurs du UNOF avec un petit tableau, mais le tableau, vous pouvez aussi nous le demander sur les réseaux sociaux, on nous le demande assez souvent, le tableau de l'étape 17. Si vous allez dans votre compte, vous cliquez sur investissement dans le menu, vous allez voir l'ensemble des packs qui vous ont présenté avec les tables qui vous correspondent. Vous allez pouvoir dérouler le menu et voir qu'effectivement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de packs qui vous sont proposés à différents tarifs. On peut les payer aussi en une fois ou on peut les payer en plusieurs fois. Il y a des packs qu'on peut payer au choix à 10 fois ou 15 fois ou 20 ou 25 fois, voilà, ou 30 fois. Ça dépend quel type de pack, plus ils sont gros et plus on vous offre de possibilités de les payer à des échéances plus ou moins longues. Autre question peut-être? Merci pour le bravo. Merci. J'essaye d'expliquer comme je peux, hein. J'essaye aussi de vous donner mon idée personnelle.
sur l'idée, sur la société Solargroup, parce que je fais partie intégrante de la société Solargroup. Je ne suis pas salarié, hein, je précise, mais je suis membre et je suis partenaire national. Je suis aussi président maintenant, comme on dit, bien que j'aime pas trop le mot président, parce qu'il y a un peu des élections en France, alors moi, je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. On me demande dans combien de temps le projet est susceptible de se terminer. On a parlé de l'étape 17, et bien sûr, je vous ai dit que le projet va finir à l'étape 20. Alors, nous avons une estimation théorique, hein, je dis bien théorique sur le papier, hein, qui serait à la fin de l'année 2022, début de l'année 2023. Souvent, on nous demande pourquoi aussi on n'a pas de date plus précise. Eh bien, ça dépend des investisseurs. Si demain, vous sortez des millions pour payer des packs, eh bien, forcément, le projet va se finir rapidement. Si vous trouvez quelques personnes qui vont tout de suite acheter des gros packs, ben, ça peut aller beaucoup plus vite. Si vous trouvez que des personnes qui vont investir 100 dollars et qui vont peut-être penser qu'elles vont devenir très riches avec ça, eh ben, ça va aller très doucement. C'est une question d'investissement. Quand les personnes pensent qu'on ne peut pas avoir l'argent pour investir parce qu'on est pauvre ou plus ou moins pauvre, c'est une erreur. Vous avez le partenariat. À l'instant, je vais vous parler de partenariat en long, en large et en travers. Ce partenariat permet de gagner de l'argent avec Solargroup et vous permet de payer vos parts et vos mensualités. N'ayez pas peur d'investir du temps pour gagner de l'argent. Je n'ai pas dit de l'argent, hein. Je dis investir du temps pour gagner de l'argent et non pas investir de l'argent pour gagner du temps. Bon, ça marche aussi des fois, hein, mais bon, c'est pas dans le bon sens, quoi. Investissez-vous un petit peu, bougez, sortez. Ne restez pas, moi, dans votre jardin, je dis souvent. Pourquoi vous restez chez vous dans votre pays, là? Sortez un peu, allez voir sur Internet, vous allez voir. Allez, ne serait-ce que sur Facebook. Et vous allez voir le nombre de personnes que vous allez pouvoir rencontrer qui cherchent un job. Et t'as pas un business, et t'as pas ceci, et t'as pas cela. Ben oui, mais tout ça, c'est intéressant. Mais ces gens-là, vous allez pouvoir les coacher, vous allez pouvoir les parrainer, vous allez pouvoir les aider, vous allez pouvoir les aider à devenir master, et puis vous allez devenir expert. Voilà, c'est ça le schéma, en fait. C'est d'avancer et de proposer, de parler. Si vous ne savez pas parler, ben, utilisez mes vidéos. Cette séance ce soir va encore être enregistrée, elle est diffusée sur YouTube, et on va la récupérer, et à ce moment-là, on va pouvoir vous redonner les replays, comme on dit, hein, les rediffusions, et que vous allez pouvoir voir sur la chaîne française de Solar Group. Solar Group fait beaucoup de choses. On a des vidéos, on a des webinaires, on a des présentations en salle, on a plein, plein, plein de choses. On a des conférences qu'on organise également dans certains pays, comme nous organisons au Sénégal le 7 mai prochain. Si vous ne savez pas où se déroule l'ensemble de ces événements, vous pouvez aller dans votre back-office, vous avez une rubrique événements. Dans événements, vous avez les webinaires et dans la sous-rubrique, vous avez également un autre petit onglet où il y a marqué rencontres. Et là, vous pouvez trouver toutes les publications de toutes les salles, tous les endroits où nous faisons des présentations et y envoyer des gens en tout cas. Donc, par exemple, si vous habitez au Togo et que vous voulez envoyer des gens à Abidjan parce qu'il y a une présentation le 30 avril ou à Gagnoa, ben vous envoyez des gens là-bas, vous les inscrivez, vous offrez 200 parts gratuites. Et ensuite, vous allez envoyer les gens là-bas et ils vont pouvoir regarder une présentation des gens qui ont l'habitude de présenter et d'expliquer le principe de fonctionnement, comme je le fais moi dans mes webinaires. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des personnes physiques. Alors, autre question. Comment est-ce qu'on procède avec les investisseurs lors des versements des dividendes? Ah oui, c'est une bonne question. Il s'agit en fait de recevoir les dividendes de deux façons. Soit vous allez avoir l'occasion de travailler avec Solmage directement, mais là vous avez besoin d'un compte bancaire. Beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire, c'est pour ça que je précise, surtout en Afrique. Ou alors, vous allez travailler avec Solar Group qui va vous payer par les mêmes façons par lesquelles vous payez actuellement. Donc, vous allez pouvoir recevoir de l'argent par le biais du Bitcoin, autres crypto-monnaies, et aussi par PayPal, Perfect Money, etc. Tous ces systèmes qui existent dans le back-office, par lesquels vous payez déjà vos parts. Et lorsque vous recevrez les dividendes ou la revente des actions, eh bien, vous allez pouvoir les récolter grâce également à ces différents systèmes.
On me remercie pour le brillant exposé. Alors, on a une question. Pourquoi la feuille de route de Solar Group de 95, nous sommes passés à 2021? Alors, qu'est-ce qui explique cette inertie? J'ai pas très bien compris. Aux léthargies du groupe. Alors, en fait, on vous parle de cette époque de 1995 parce qu'en fait, c'est l'époque où Monsieur Duhunoff a commencé à créer les premiers moteurs. Faut savoir que Solar Group est intervenu qu'à partir de 2017 pour proposer le financement participatif. Donc, quand on parle aujourd'hui de 1995, c'est pour montrer que la technologie n'est pas toute nouvelle. C'est des brevets année après année. Et encore, je ne sais pas si vous avez suivi récemment une récente vidéo de Monsieur Duhunoff où il explique qu'il va créer tous les moteurs qui vont permettre de soutenir l'électroménager. Eh bien, cette innovation technologique dans ce domaine-là, par le biais de coulées de rotors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est un peu technique, mais il a une petite vidéo où il explique tout ça. Mais il explique qu'on peut améliorer beaucoup de choses, beaucoup plus petites, et que ça permettra de mieux tourner, etc. C'est une technologie qui n'est pas toute nouvelle, mais qui a eu l'occasion d'évoluer. Et maintenant, grâce également à l'argent qui a été versé par les investisseurs, eh bien, on a pu investir dans du matériel de haute technologie qui permettent justement d'améliorer encore et encore et encore. Et justement, le fameux bâtiment qui est en construction va permettre également de faire évoluer ces technologies à travers les temps. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut parfois 5 ans, 10 ans, plusieurs années pour réaliser quelque chose d'un peu meilleur. Mais après, ça peut être très rentable et très intéressant de pouvoir voir. Parce que, par exemple, Monsieur Duhnoff a créé sa roue moteur en 2015. Or, en 2015, eh bien, il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas non plus de Solar Group. Nous sommes arrivés en 2017 pour lui proposer de faire connaître justement tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a déjà réalisé à travers le monde grâce au développement de ces technologies et de le faire connaître aussi à travers les partenaires qui en parlent tous les jours. Moi, aujourd'hui encore, j'ai rencontré et je suis en discussion avec des gens qui sont intéressés par les moteurs et qui seraient intéressés par les importer, qui seraient intéressés par les vendre. Je ne suis pas vendeur de moteurs, mais on peut mettre en relation avec Monsieur Victor Arestoff qui développe lui des véhicules et qui est susceptible de vendre de la technologie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'est une tracasserie de voir 1995, c'est en fait un des débuts de création de la société ASCPP de Monsieur Duhunoff, qui a commencé à créer des moteurs asynchrones de type Slavyanka à partir de cette année-là. Voilà, d'autres questions qui pourraient arriver? Non, j'en vois pas. Si, alors, en cas de décès, est-ce que Solar Group a prévu la réalisation de, attendez voir, ça a sauté un petit peu. Après, oui, alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais je voudrais que les choses soient claires. Comment vous dire? Lorsque vous voulez avoir un héritier, d'accord, on appelle un héritier, c'est un notaire qui fait ça, c'est pas Solar Group. Solar Group n'est pas un notaire. Donc, pourquoi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut absolument que Solar Group redistribue les parts à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le droit de donner les parts à quelqu'un d'autre si ce n'est pas notifié sur un papier distribué par le notaire, établi par un notaire. Donc, aujourd'hui, les parts, quand vous les achetez, elles sont à vous personnellement. Vous avez donné une pièce d'identité, vous avez donné un certificat de résidence, donc ça vous appartient à vous personnellement, pas à Pierre, Paul ou Jacques. Donc, à ce moment-là, est-ce que Solar Group a prévu d'avoir un héritier? Solar Group a prévu, dans le back-office, de nommer dans la section profil. Vous allez pouvoir y aller dans la section profil, vous cherchez là dans les paramètres. Vous pouvez indiquer une personne qui sera un intermédiaire si vous venez malheureusement à disparaître. Intermédiaire, ça veut dire quoi? Il y a marqué héritier, mais ce n'est pas héritier. Un héritier, admettons que ce soit votre cousin qui vous donnait le truc là, les codes, et que vous dites que c'est lui qui doit aller pour faire après votre décès. Mais vous ne pouvez pas déshériter vos enfants si vous avez des enfants en France.
Je donne souvent l'exemple de Johnny Hallyday. Il est allé faire un testament aux États-Unis en pensant déshériter ses enfants. Ben, il n'a pas gagné. Les enfants, ils ont gagné. Parce qu'on ne peut pas en France déshériter les enfants. Donc, que vous mettiez votre cousin, votre voisin ou votre grande-tante, eh bien, désolé, c'est notre notaire qui détermine qui sont les vrais héritiers. Donc oui, il est prévu une rubrique où vous pouvez inscrire une personne à l'intérieur, où à l'intérieur, on peut effectivement inscrire une personne que l'on désigne comme étant l'intermédiaire qui donnera les documents du notaire à Solar Group, mais en aucun cas, c'est cette personne qui bénéficiera du compte, sauf si cette personne, c'est peut-être celle-là qui est justement l'héritier dans votre testament ou que le notaire aura désigné. J'espère avoir été clair parce que c'est une question un peu pointue et des fois on a du mal à comprendre, mais on dit mais est-ce que Solar Group? Non, 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 Solar Group n'est pas un notaire. Solar Group, il faut lui fournir d'abord le papier du notaire et l'acte de décès. Les deux, pas juste un. Ce n'est pas si simple, c'est des actions, c'est des actifs à l'étranger. Donc on ne peut pas donner ça à n'importe qui. On doit le donner aux vrais héritiers, ceux qui sont désignés dans votre testament ou qui sont désignés par le notaire de la famille lorsque vous ne serez plus là. Et chaque pays a aussi des lois qui sont plus ou moins importantes dans ce domaine, et il faut se référer à ces lois dans votre pays. C'est ce qui est important de comprendre. Ensuite, merci ma chère Barbara, mon assistante préférée. Merci à tous. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, venez à tous les webinaires, venez à toutes les présentations, venez à toutes les conférences. Venez, 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 écoutez tout ce qu'on dit, regardez toutes les vidéos, lisez tout ce qu'on publie, parce que c'est comme ça qu'on devient un expert Solar Group. Et je ne parle pas du statut d'expert, je parle de quelqu'un qui a la connaissance et vers qui les gens vont aller. C'est ce qu'on appelle également le personal branding, c'est-à-dire c'est la marque personnelle qui fait que les gens vont venir vers vous parce que vous avez une certaine connaissance aussi. Parce que quand vous avez une panne de voiture, vous n'allez pas chez le boulanger, mais vous allez chez le garagiste. Et là, si vous avez des gens qui ont la connaissance dans Solar Group, eh bien, vous allez vers les gens qui ont la connaissance et vous n'allez pas vers les gens qui n'ont pas la connaissance. Parce que sinon, vous allez être mal aiguillé. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous tous. Merci de m'avoir écouté pendant aussi longtemps ce soir. Et je vous dis à très bientôt, lundi prochain également, webinaire. Même heure, même endroit, même lien en général presque. Et voilà, excellente semaine et à très bientôt. Je vous dis bye bye. Bonne soirée.